tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un... Coucou Louloute. Coucou. Et les amis, on espère que ça va. Bien. Parce que toi, ça va? Hyper bien. Hyper bien. Alors aujourd'hui, dites-moi, nous nous retrouvons avec Océane, qui est une fan de quoi? T'es fan de quoi? Reine des neiges. Et oui, la Reine des neiges, comme si ça se voyait pas. Montre un peu, enlève la casserole, montre un peu ton nouveau tablier, un petit copain. Waouh, regardez son tablier. Bah, tiens, dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît. Waouh, elle est trop belle ta toque. Alors, c'est aux couleurs de la Reine des neiges, donc on va faire une recette de... biscuits. Non. Mais... non. Du chocolat chaud. Non, chocolat. De... la Reine des neiges, et couleur bleue. Et oui, on va faire un chocolat chaud de la couleur bleue à l'effigie de la Reine des neiges. Alors ça va être un chocolat chaud, mais avec quoi dedans? Avec... en fait, il faudra aussi avec du chocolat et du lait et aussi du commentaire bleu, bien sûr, pour que ça sera bien bleu. Mmh. Et ça déjà c'est quoi? C'est de la vanille. Vanille. On va mettre tout dans l'ordre. Les amis. Et une paille. Et avec un tour. Alors, il faudra pour cette recette, donc, 100 g de chocolat blanc. Blanc. Montre au petit copain. Tu montres toi. Voilà, donc 100 g de chocolat blanc. Ensuite, du lait, il nous faudra 250 ml de lait. Et donc 25 cl. Ensuite, du colorant alimentaire. Voilà, du colorant alimentaire. Donc, quelques gouttes suffisent. Bleu, nous on a pris du colorant liquide. Il existe en gel, il existe après, en poudre. Après, de la vanille. Et un pot de vanille. Alors, il nous faudra aussi une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Et bien sûr, une casserole. Une casserole. Il faudra, il faudra une paille. Une paille. Oui. Pour goûter. Ah ouais, pour goûter. Et pour oh boire. Ah, pour boire, ok. Et un tourne. Un tourne? Oui. Ça s'appelle un plongeur, un robot plongeur, plongeant, enfin comme vous voulez. Oui. Alors voilà, parce qu'on va mixer ça, donc si vous n'avez pas de robot comme ça au blender, ça marche aussi. Donc on commence la recette? Oui. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va mettre le lait dans la casserole. Oui, le lait dans la casserole. Alors, après, on va mettre le chocolat après. Oui, alors d'abord on met le lait qu'on va mettre à chauffer. Voilà, donc ne le faites pas tout seul les amis, parce qu'on peut se brûler. Donc là, on va mettre à bouillir le lait. Dès qu'il bout, on l'enlève du feu et après... on va mettre le chocolat. Voilà, mais seulement après qu'il soit chaud. Alors tu vas me laisser à chauffer? Oui. Ok. Un petit peu cassé. Pas grave. Alors coucou les amis, donc moi je reviens avec la casserole de lait qui est bien chaud. Donc j'aide Océane parce que c'est très très chaud et je ne veux pas qu'elle se brûle. Donc on va pousser le chocolat, on va passer la casserole. Alors attention, parce que la casserole, Océane est très très chaude. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans la casserole? On va casser quoi? On va mettre les chocolats. Alors doucement, hop, hop, plus bas, faut les casser. Hop, vas-y, casse-les, voilà. Et pendant qu'elle les met dedans, ma maman, elle va touiller avec un fouet pour que ça... se mélange bien au lait. Doucement, doucement. Tu peux te brûler, hein? Oui. Ça éclabousse. Alors, on va faire de plus bas. Regarde. Hop. Regarde. En bas, tu vois, ça éclabousse plus. Ah, voilà. Donc là, on touille jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. C'est la bonne lunette. Voilà. Bon, t'as tout mis? Alors maintenant, tu vas verser dedans, je pense, la vanille. Voilà, maman continue de remuer. Donc, vas-y, mets la vanille à l'intérieur. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Et après, je mets quoi? Alors, regardez les amis à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Voilà, donc ça, c'est bien. Il n'y a plus de morceaux de chocolat. Donc, maintenant, tu vas mettre le colorant. Tu vas mettre quelques gouttes, hein. Je vais mettre combien de gouttes? Vas-y, mais on verra la couleur en fonction. Alors, je vais vous montrer les amis. Ça suffit, je pense. Ah oui.
Alors regardez les amis, je sais pas si vous voyez. Ça ressemble à Anna, à Elsa ou pas? La robe encore plus foncée. Encore plus foncée. Allez, vas-y, rajoute un petit peu alors. C'est bon. Après, ça va faire trop. Oui, alors voilà à quoi ça ressemble, les amis. Je pense que c'est bon. Encore un petit peu. Mais regarde. Ah oui, effectivement. Alors, hop, on a la reine des neiges en personne. Tu l'as vu à la fête foraine. Et oui, tu l'as vu à la fête foraine. Alors, vas-y, encore un peu si tu veux. Ouais, saute ta barbe. Tu vas, hop. Elle va faire un carnage. Vas-y, remue-toi. Alors attention, c'est pour mettre sur les doigts, hein, les amis. Ça tâche. Alors, vas-y, tu remues bien. Est-ce que ça, c'est bleu pour toi? Oui. On montre au petit copain? Regarde, on a pas encore. Ou je pense que ça suffit là, regardez. Non, pas encore, regarde. Pas encore. Regarde. Mais si, regarde maintenant, c'était pas bien remué. Je pense que ça suffit, ça va faire trop de couloir, Louloute. Oui, c'est bleu comme ta toque. Alors, c'est bon maintenant. Alors maintenant, une fois que c'est remué comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Passe-moi le colorant alimentaire. Oui, le colorant alimentaire. Parce que sinon, il va sécher. Il va sécher? Oui, si on ne ferme pas. Ah, il risque surtout de couler partout. Oui. Alors, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ça. On va prendre le mixeur à bras. Et après, on va... Le mettre dedans? Oui, le mettre dedans. Ah, vas-y. Et vas-y. Ça dans la mort de la toque. Alors ça va servir à faire de une petite mousse au-dessus. Ça va faire super onctueux en fait. Vas-y. Les amis. C'est terminé. Les amis, regardez. En fait, c'était collé comme ça. Après, on l'enlève. Et après, on a tiré. D'après, tout s'enlève. Et après, on a enlevé. Ah, super. Il y avait une petite flèche rouge. Oui. Et une petite flèche normale, orange. Il y avait un petit peu de blanc. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais enfin, moi, je vous expliquer comment on ouvre une tablette de chocolat. Oui. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le verre. Et on a décidé de faire un chocolat chaud. Alors bleu parce que Océane adore la Reine des Neiges, mais beaucoup de petites filles aiment bien. Mais en plus parce que c'est bientôt quoi? C'est bientôt Noël, c'est bientôt l'hiver, il fait froid dehors. Ah vas-y, tu mets la versée. On va voir si ça a fonctionné. Regardez les amis. On va pas tout mettre. Ouh, bah je pense que ça va tout rentrer dedans. Ah bah non, ça rentre pas tout. Non. Voilà, on n'a plus qu'à mettre la paille à l'intérieur. Hop là, waouh! Et après, je vais goûter. Et après, tu vas goûter? Ah, tu nous dis si c'est bon, Rose Gourmand. Tu peux goûter, moi? Super bon. Ah, c'est super bon, ça change du chocolat chaud normal. Hein. Allez, petits amis, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Donc, on voit bien la démarcation entre la mousse et le lait. Voilà, donc il est bleu comme la mienne. Alors, on en donne un peu à Elsa. Prends devant moi. Est-ce que c'est bon, Elsa? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Oui, elle a dit. Elle a dit que c'était bon. Alors, c'est un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas? Vers le haut, elle a dit. Vers le haut, elle a dit? Ah oui, elle m'a dit un pouce vers le haut. Alors les petits amis, on espère que ça vous a plu. C'est super facile à faire à la maison. Ça réchauffe pour l'hiver, pour le goûter. C'est super, là c'est l'heure du goûter. Donc voilà, donc nous on va goûter avec un bon lait au chocolat blanc chaud. Aussi, il faut manger. Et puis on va manger ça avec une petite tartine pour le goûter. C'est super, même pour le matin. Bon. Au fromage. Oui, une tartine au fromage parce que ça adore le fromage. C'est super bon pour la santé.
Alors, les petits amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé... Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit... Un petit pouce vers le haut. Et moi aussi, je dis. Et toi aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-nous si vous connaissez des recettes comme ça. Donnez-nous des idées de recettes aussi pour Noël, pourquoi pas. Bah Elsa, elle connaît beaucoup parce que Elsa l'envoie tous les matins, me l'a dit moi. Elsa l'envoie tous les matins. Et surtout, bah, dites-nous ce que vous en pensez de cette recette, surtout. Et si ce n'est pas déjà fait, bah... Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit... Au revoir, bisous. Au revoir les amis, bisous.